Ben rabonmak bekliyor. Merci pour le playoff, hein, mes chéris. Hein. Je l'avais dit, allez-y. Je l'avais dit, hein.
Mi-temps et une deuxième mi-temps mauvaise, on va dire, tant pis. Hein. Ça,
deuxième mi-temps complètement mauvaise. Maintenant, on gagne quand même le match. C'était l'important, c'était de prendre les 3 points. Au moins, ça, on engrange de la confiance. Il y avait Mios la semaine dernière, là, à Besançon. Ça veut dire que pour les 2 matchs qui viennent, Metz ou Nantes, je pense qu'on a le droit à un petit joker. Donc ça, par rapport à l'année dernière, c'est une grosse satisfaction. C'est un luxe qu'on n'avait pas l'année dernière. Ouais. Les playoffs, vous y êtes quasiment? Tant que mathématiquement c'est pas fait, on y va. Maintenant, on est en meilleure position que l'année dernière, c'est sûr. C'est plus, ça donne le sourire. Ouais, ça fait du bien parce que là, physiquement, on commence à pêcher un peu. Marco l'a mal, Elena aussi. Moi, j'ai les tendons d'Achille qui commencent à faire souffrir. Donc au moins, on engrange pas mal de confiance avec des victoires. D'accord, il fallait vraiment effacer cette défaite du match aller. Ouais, je pense que sans manquer de respect à Besançon, je pense qu'on va être la seule équipe qui est combattue cette année. Donc on avait les bouts là. Le prochain c'est Metz. Je crois que si je dis pas de bêtises, ouais, là c'est cool. On enchaîne Metz et on va directement à Nantes. Donc on peut se permettre de. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas pour gagner, mais de perdre à Metz, parce que personne ne peut gagner là-bas. Mais il faudra être à fond sur Nantes. Je pense que là. C'est les playoffs, ils vont se jouer là-bas. Ouais, je pense que si on prend 3 points au moins sur un des 2 matchs, on pourra être serein. Très bien, bah, merci beaucoup. De rien, bonne soirée.